Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce banc. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, la musique profane est vraiment un support de communication pour le diable. Et quand le diable l'utilise pour véhiculer ses messages, vraiment, ça peut avoir un impact très dangereux sur les gens. Oui, sur les gens et en particulier la jeunesse. Mes frères et sœurs, regardez l'écran. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est un nouveau TikTok challenge qui s'appelle Drink Alcohol, genre boire de l'alcool. En fait, il y a natif nigérien du nom de Joey Boy qui a créé sa chanson tranquillement. Mais les gens ont tourné cela en autre chose. Seigneur Jésus-Christ. Genre de sa chanson, j'ai jeté pour une fille qu'il aime bien. Genre comme s'il pouvait dire que à cause d'elle, il ne fait que boire de l'alcool, tout ça, tout ça. Mais les gens ont transformé cela en une autre chose. Regardez l'écran. Les gens ont commencé à boire beaucoup d'alcool juste pour faire le challenge. Les gens ont commencé à boire d'autres choses maintenant, comme, regardez là-bas, ça c'est de l'huile rouge. C'est la première image là-bas. Mais dans la deuxième image, hein, ce que cette jeune fille a fait, ça l'a conduit à l'hôpital. C'est un tuto qui a failli lui ôter la vie. Pourquoi? C'est parce que ce qu'elle a bu là, ce qu'elle tient de la main, ça là. Ça là, en anglais on dit dédol. Savez-vous ce que c'est? J'ai cliqué, j'ai fait des recherches, je vois devant on dit dédol. Dédol c'est juste. On dit un insecticide. On dit un anti. Quoi? Antiseptique. On dit dédol. Antiseptique liquide. Un liquide antiseptique. Seigneur. T'as pour faire le challenge, hein? Allez acheter un liquide antiseptique. Et elle s'est mise à boire cela. C'est un liquide très dangereux qui peut tuer. C'est pas même qui peut tuer, qui tue. Un être humain, quand un être humain boit cela, peut mourir. C'est pas à boire même. Vous n'essayez pas ça chez vous. Mais c'est grave. C'est trop grave. Au point où on a vu une vidéo où on voit cette fille qui est là au milieu là, se retrouver dans le problème. Où les gens sont venus l'attraper parce qu'elle était en train de mourir. Elle a bu. Elle était dangereuse et elle a tenté d'agoniser. Le crachat blanc sortait de sa bouche, tout ça. Ce sont les images que je ne voulais pas vous montrer ici, mais je vais juste vous faire entendre l'audio, le son en question et vous allez comprendre. Écoutez. Vous avez entendu l'audio? Maintenant, écoutez ce qui se passe là-bas. Ce que ses parents se posent de dire, parce qu'elle est tombée après avoir pu cela. Elle a commencé à faire des cachets blancs dans sa bouche. Écoutez. Ils se sont dit, ah, Lucy, Lucy. Comment peux-tu faire un truc pareil? Bois un liquide pareil. Comment peux-tu faire juste pour TikTok? Ah, Smile.
Elle s'en est dit, hey, vraiment, elle était en train de mourir. Elle a été mouillée. Regarde la vidéo, elle a été mouillée. C'est elle a pu, tu connais, elle a pu. Et quoi là même? Attendez, il faut que je m'utilise exactement. On dit, Dettol antiseptique, un liquide antiseptique. Parce que elle est dans le bois. Hein? D'autres boivent le rouge. D'autres même vont s'asseoir dans un caniveau. Rempli d'eau sale. Juste pour ça. Et j'apprends que c'est la même qui a chanté. C'est la même qu'on appelle. Comment on l'a dit son nom là? Joey Boy. Cet artiste nigérien là. Apparemment, il aurait fait un TikTok. Plutôt, apparemment, il aurait fait un tweet sur Twitter. Où il demande aux gens d'arrêter de faire ce qu'ils sont en train de faire là. Sinon, ils vont mourir. Il dit, sinon, vous allez arrêter de faire ce que vous allez faire. Sinon, vous allez mourir. Selon l'information que j'ai reçue. Seigneur Jésus-Christ. Ce challenge TikTok a failli lui ôter la vie. Il a dit que la, il a dit dans la vidéo précédente, il dit que la musique qu'elle a. Faites vraiment très attention, surtout la musique mondaine ou quoi, la musique profonde, parce que c'est une grande influence sur les gens. C'est une très, 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 très grande influence. Il faut vraiment s'en méfier, s'en méfier, quoi. C'est une grande influence, hein. Maintenant, regardez. Alors, si, on ne sait pas si elle est morte ou bien elle est en vie. Les gens se disent rip, 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 rip. Mais après ce que nous avons dit, voilà. C'est sûr qu'elle doit être à l'hôpital, elle est là. Vraiment, moi, je ne comprends pas les gens. Vous voulez mourir ou quoi? Juste pourquoi? Juste pour des vues, bien pour la célébrité, bien là. Non. Ça, c'est un risque très dangereux. Regardez, par exemple, dans la première image, on voit la fille, elle porte de l'huile rouge, je ne sais pas. Et elle fait verser sur elle comme c'est pas possible. Ça, là, on fait comment? Ça, là, on fait comment maintenant? Je vois, il y a eu beaucoup d'images, hein, d'images comme des gens qui vont ça. S'asseoir, il y avait une main d'un gars. Lui, il allait s'asseoir dans un caniveau hein, avec un bouton à la main. Il ne sait pas si c'est l'eau du caniveau, il boit, mais c'est ouf, ça va. J'ai dit, ça va loin. Depuis ce matin, j'ai vu toutes ces images. J'avais du mal à y croire. J'ai dit non. Il faut que j'aille au fin fond d'abord pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Avant de venir vous partager ces informations ici, parce que moi-même, ça me dépasse, je ne peux pas croire cela. Ce qu'elle a dans la main de quoi? C'est un antiseptique, un liquide antiseptique. C'est même quoi? Expliquez-moi bien en commentaire. J'aimerais bien savoir. Mais apparemment, c'est un produit chimique que vous ne devez pas boire. Elle met ça dans sa bouche parce qu'elle veut impressionner les gens. Je vais vous montrer aux gens qu'elle est la plus dangereuse. Elle vous montre aux gens qu'elle est la plus hors du commun, qu'elle est la plus folle, quoi. Je vous ai dit. Je vous ai dit bien dans la vidéo précédente. Certaines personnes pensaient que c'était de la blague. J'ai dit, quand les stars de la musique profane disent par exemple que oh, nous, on aime la vie de débauche, on aime coucher les femmes en désordre et tout ça. Quand les gens font ça, les gens les applaudissent. Mais à quel prix? Où ça va les conduire après cette manière de vivre? C'est la mort. Son comportement a failli lui ôter la vie. Le gars, il chante la chanson, il dit que oh, à cause d'une fille, je bois de l'alcool. Juste qu'il a fait un truc pour dire hey, vous là, je ne bois pas ce que vous buvez là. Je bois juste un peu d'alcool. Donc, arrêtez ce que vous êtes en train de faire là. Pardonnez, arrêtez. Mais ça continue. Comme on dit chez nous. Quand quelqu'un n'est pas mort dans ça, là, ça ne va pas arrêter.
Mais moi, je ne souhaite pas que vous mouriez. Moi, je sais, je prie que la fille aille bien. Mais avec ce que j'ai vu là, où elle est tombée, elle a commencé à faire ce crachat blanc de sa bouche. Vous-même, dites-moi la suite en commentaire. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Il y a des vidéos de type témoins puissants qui nous attendent depuis. Je pense que nous allons faire une fois de traiter cela ce soir même. C'est-à-dire dans quelques-unes de les heures qui suivent. Soyez prêts.